au festival de la moto de Bouchain et il y a une balade moto à 11h qui est prévue. Sauf que moi je suis hyper à la bourre parce que en fait mon téléphone s'est coupé dans la nuit parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc mon réveil forcément était pas. Il s'est coupé aussi vu que mon réveil c'est le téléphone. Je devais être chez Antoine à 9h et au final je me suis réveillée à 9h, tu vois. Ah les meufs c'est toujours à la bourre hein, mais en fait on a des excuses et si notre téléphone se coupe en plein milieu de la nuit ou qu'on n'a pas de réveil, bah c'est pas de notre faute hein. Tu sais les clignotants c'est pas en option madame hein. Mais c'est terrible! Mais c'est terrible! Antoine, m'appelle pas quand je roule, j'ai pas de GPS! Pas de clignotant! Ça me redague! Ça me redague, ça me redague, ça me redague! Et au permis, il faut leur faire bouffer leur putain de clignotant! Peut-être qu'un jour ils comprendront qu'il faut les mettre! Et arrête, j'avais tellement plus d'essence que j'arrivais pas à aller jusqu'à la station de service pour te dire. Mais moi j'ai des chicanes, c'est pas du jeu. Des cons en moto franchement. Dès qu'il y a un pont il faut qu'on s'amuse. Pas le même moto Poussin qui vient de le dépasser. Plus en plus mal quand je penche. Ah. Tu dis qu'il faut peut-être arrêter quand la douleur prend le pas sur le plaisir. Parce que jusqu'ici là je roulais, c'est le plaisir qui prime tellement que je sens pas la douleur. Ah voilà, comme je le dis des fois, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi je continue la moto malgré que j'ai mal, etc. Ils me disent, mais si t'as mal, arrête la moto, machin. Mais tu vas pas arrêter quelque chose que t'aimes et qui te fait vivre, qui fait que t'es heureuse quand tu te lèves le matin, que t'es heureuse quand tu vois ta moto, t'es heureuse quand t'es sur ta moto, t'es heureuse de faire des vidéos de moto. Tu vois, tu vas pas arrêter quelque chose qui te rend vraiment heureuse, qui fait ta vie. Je sais que si demain j'ai plus tout ça, je vais partir en dépression, je pense, tu vois. On me ramassera la petite cuillère si demain j'ai plus ça. Donc, les gens, des fois, ne comprennent pas pourquoi, en ayant mal, je continue.
Ouais, qui fait un bruit dans la voiture. Donc je disais, beaucoup me disent, si t'as mal, arrête la moto tout simplement. Et donc non, je vais pas arrêter quelque chose qui me rend heureuse. Donc j'accepte la souffrance. Donc là, comme là, tu vois, là j'ai hyper mal, j'ai hâte d'arrêter la moto tellement que je commence à n'en plus pouvoir. Là je commence à n'en plus pouvoir de tenir l'accélérateur tellement que j'ai mal, parce que comme c'est le bras droit, je peux pas lâcher et détendre mon bras. Ça fait chier, c'est le mauvais bras, tu vois. Ce serait le bras gauche, ce serait beaucoup plus ça pour moi. Un grand vent, merci. Tu lui fais un V, il tourne la tête de l'autre côté en mode de pas les couilles. Elle est quand même super belle sa moto. Hein. En fait, le super motard, c'est un mode de vie, parce que c'est putain d'inconfortable comme moto quand même. Faut vraiment aimer avoir mal au cul, avoir mal au dos. Faut aimer. Je me demande si elle peut, faut mettre un peu sadomaso pour aimer le super motard. Comparé à des gars qui, voilà, ils ont des bonnes selles, ils sont bien posés, machin. À nous, c'est pas le cas. Moi, j'ai une selle, putain, c'est une brique. Mais c'est une brique. C'est une selle d'enduro, quoi. Elle me prend en photo et tout, tu sais. Allez, on va se calmer, on va ralentir. Bon, on a dit qu'on ralentissait, hein, t'es incorrigible, bordel. Allez, arrête, tu te calmes. C'est la meuf, elle s'engueule elle-même, c'est... Non, mais c'est fini, oui, hein, t'arrêtes, hein, là, l'accélérateur, t'y touches plus. Putain, ils vont dire, mais elle est schizophrène, en fait, cette meuf, tu vois. Ben oui, mais à 50, on se fait chier, hein. Allez. Ah bah merde. Non non, ça va la GoPro, heureusement. Ouais, mais ça c'est rien, c'est une fixation. Putain, je l'ai oublié. Bon bah heureusement que la GoPro elle a rien.